Mon nom, c'est Pierre Mainville et je fais l'escrime en fauteuil roulant. Ben, c'est mon histoire. Ça a été une histoire qui a quand même été assez médiatisée. J'ai été tiré par un ex-agent de la Gendarmerie royale du Canada qui, justement, était comme en dépression. Puis moi, j'ai eu seulement qu'une balle. Puis ça a été à la moelle épinière. Puis je suis paralysé au niveau des pectoraux. Ben, pour moi, l'escrime, ce que ça m'apporte beaucoup de plaisir. D'une manière, ça a changé ma vie parce que c'est quand j'ai commencé à faire de l'escrime que je me suis dit que je voulais... Parce que j'ai toujours fait plein de sports en même temps. Puis j'ai toujours été bon dans tous les sports, mais jamais excellent dans les sports que je faisais. Donc, en faisant l'escrime en fauteuil roulant, je suis tellement tombé en amour. J'ai une passion pour ce sport-là. C'est sûr qu'au Canada, on n'a pas nécessairement une histoire en escrime. Mais je pense que les limites, souvent, c'est nous qui se les imposons. Puis ces limites-là, ben c'est quand tu les dépasses que tu as une certaine fierté. C'est sûr, comme n'importe qui, il y a des journées que ça me tente moins. Mais quand on sait au bout du chemin, ben on va avoir du plaisir, l'adrénaline et tout, ben c'est pour moi, c'est ce qui compte le plus. Puis c'est pour ça que je continue de m'entraîner, de progresser dans le chemin de l'excellence.